Et salut les amis, on se retrouve pour le tuto numéro 12 de la Redstone Facile, des petits tutos Redstone Facile. Avant de commencer, je voudrais remercier Craftworld, sa chaîne YouTube est dans la description, normalement je l'ai pas oublié, enfin j'espère, qui a fait l'intro, l'outro et la miniature de cette vidéo, donc merci à lui, merci beaucoup. Alors c'est parti. Donc aujourd'hui ça va aller très vite, on duplique les fleurs donc dans le but d'avoir des colorants. Donc ça marche que avec les grandes fleurs malheureusement, mais c'est toujours ça de pris, parce que surtout le colorant rouge moi je l'utilise beaucoup. Donc pour ce faire on a besoin d'un bloc de construction, d'un levier, de poutre de redstone, de distributeur, de torche de redstone. Après le reste c'est pour le faire fonctionner. Donc tac, tac. Donc on va se mettre ici. On va faire 1, 2, 3. Ici vous venez mettre la hop, poudre de redstone. Ici vous mettez vos torches que vous venez recouvrir d'un bloc. Vous voyez, ça a déjà lancé le burn de torche. Vous mettez votre petit levier pour l'arrêter. Tac, on va mettre de la poudre d'os. Hop. Avec de la terre, c'est mieux. Donc moi je l'ai fait sur 3, vous pouvez l'agrandir sans problème. Juste laisser que 3 torches, ce c'est les 3 torches qui servent à faire le burn, donc c'est le minimum, hein, il faut au moins 3 torches. Après rien ne vous empêche de le faire que sur 1, mais il va falloir que les 3 torches soient dans la longueur, quoi. Donc là vous plantez vos fleurs, tac, et celle-là, donc je vous ai pris les 3 pour que vous voyez que ça marche bien. Là, vous voyez, ça duplique. Donc c'est un bug qui est connu, donc je pense pas que ça soit de la triche parce qu'il a été laissé. Hop. Et vous voyez, on en a récupéré. Bah ils sont toutes là. On a quand même récupéré pas mal en très peu de temps. Après, il vous reste plus qu'à. Ah bah j'ai pas le. Je peux pas crafter, dommage. Sinon, il vous reste plus qu'à le transformer en colorant. C'est pas comme le cactus, vous avez pas besoin de le cuire. Donc voilà, une ligne de redstone sur le dessus, des torches tout le long, des blocs qui recouvrent, le petit levier pour éteindre, allumer, vous voyez. Et c'est tout. Donc j'espère que ce tuto t'aura été utile, petit tuto rapide. Je t'invite à laisser un pouce bleu, un pouce rouge ou un commentaire pour laisser ton avis parce que ça m'intéresse. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, bye bye.